Salut tout le monde, c'est Argouin, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft pour la deuxième partie de la map du coup The Crafting Cube, où en fait du coup c'est la deuxième partie plus longue que dont je vous ai parlé dans l'épisode d'avant. Donc normalement vous n'avez pas besoin d'avoir regardé la première vidéo sur The Crafting Cube pour regarder celle-là, vu qu'il n'y a pas de référence normalement à l'autre. Enfin un peu quand même, mais pas énormément non plus. Et du coup voilà, du coup ça devrait aller, donc vous serez pas paumé. Donc c'est parti pour la vidéo. Donc ok, bon, on va essayer de refaire un avec 5 rounds du coup. Starting tools. Ah ouais, du coup c'est cool ça. Death, bon, on laisse en activé. Time afternoon, ok, donc là tac. I want to play single player, voilà. Et du coup là on... Ok, nickel. Donc, armor, ok. Un brewing stand. Donc, il faut de la pierre et, ok. Donc, faut faire gaffe à pas mourir ici, surtout. Ah, ok, échelle. Putain, par là. Attention. Heureusement qu'il y a de bord, quand même. Non, 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 non. Non, faut pas mourir. Les gars, vous avez mis de la régène. Ok. On va faire partir d'ici. Non, putain, comment je vais faire? Comment je vais faire? Oh, yes, yes, yes. Ok. Du bois, du bois, du bois. Où est-ce qu'il y a du bois? Ah, il faut vraiment du bois. Non, c'était pas du bois, c'était quoi? Oh putain, je sais plus. Je sais plus. Ah, on a des blocs dans le vide là-haut, ok. Ah non, c'était l'échelle. Bon, ok. Ça va pas nous aider en vrai. Ok, qu'est-ce qu'on a là-bas? Hop, on est un peu. Là, non, pas grand-chose. Putain, je vais mettre longtemps juste sur ce craft-là. Brewing sand, c'est de la pierre avec un bâton de blaze. Donc là, il faut de la pierre en fait. Donc il faut trouver de quoi se faire des items. Sachant que là... Ah merde. Sachant que là... Du bois. C'est du bois ça. Putain, je l'avais pas remarqué avec la texture. Oh putain, mec. Non, mais ouais, franchement ouais. C'est bien fait ça. Si c'est fait exprès. Si c'est fait exprès qu'on croit que c'est pas du bois pour les débutants. Mais ouais. Génial. Ok, donc bon, combien d'infos, je sais pas. C'est. Ouais. En fait, peut-être c'est pas fait exprès en vrai. C'est juste des blocs, ils ont juste pas mis l'affichage du fait. Enfin, ils ont juste mis les blocs complets de bois. Ok. Donc là, il me faut pioche. Une pioche. Voilà. Nickel. Tac. Et du coup, ah oui, bah, je peux savoir avec mes timers combien de temps dure la vidéo à peu près. Là, on descend ici, échelle. Ok. Et là, on se prend un peu de pierre. Nickel. 1, 2, 3, il en faut. Peut-être plus en vrai. C'est un bloc de charbon ça. Je sais pas. 1, 2, ça fait 5. Sachant que... Non, c'est pas de la stone qu'il faut. C'est un truc normal. Ok. Putain, non. Ah, je veux pas mourir. Ok, vas-y. Oh, putain, mais la régène est vraiment cool. En fait, ça nous empêche de mourir. Ok. Ça nous empêche de mourir à un certain point, quoi. Quand même. Ok, putain, non. Sur le côté. Sur le côté. Et... Ah, on saute, on saute. Yes. Yes. Ok. Donc, hop. Il faut... Non, ouais. Il faut juste... Putain, ouais, il faut un bâton de blaze maintenant. Où est-ce qu'il y a du blaze? Où est-ce qu'il y a... Putain, où est-ce qu'il y a le blaze? C'est... Bon, ok, ça fait rien. Où est-ce qu'il y a le blaze? Je vais miner là, moi. Perso, je sais pas du tout où est le blaze. Il est un peu partout. Putain. Ouais.
Il y a quoi qui peut faire du blaze? Le truc poudre de blaze et tout. Ok. Là, il n'y a pas de spawner. Vraiment? Zéro? Il y a zéro spawner? Rien du tout? Merde. Où est-ce que ça peut être? Où est-ce que ça, vraiment, ça peut être où? Parce que là, je vois pas du tout. Genre, si on monte là, j'entends un blaze, je crois. Je suis pas sûr, je suis pas sûr. On va monter par là. Bon, je sais qu'on va retrouver la surface. Peut-être qu'entre temps, on va trouver un spawner. Peut-être. Là, on a rien, on a que dalle. Que dalle. Si on monte là-haut, hop, hop, hop. Ça nous fait. Ok, ça nous fait rien ici. Avec. Là, on peut pas y aller. Attendez. Non, ça permet pas d'avoir du blaze, ça. Ça permet pas du tout d'avoir du blaze. Où est-ce qu'il peut y en avoir vraiment? Faut quand même ce moment. Putain, où est-ce que. Putain, ok. Où est-ce que ça peut être? Parce que là. J'ai aucune idée, moi, en fait. Genre, aucune. Là. Non, c'est pas dans le coin. Ok. Y a pas de coffre. Non, pas de coffre. Ok. Dans le coin non plus, y a pas de blaze, rien. Tac. En vrai, vous allez peut-être me crier dessus parce que vous avez trouvé où est-ce que c'est, mais du coup, ok. Voilà. Autant se mettre un petit pont comme ça. Tac. Voilà, un pont de travers. Ah! Attendez. Il y a peut-être un truc là. Peut-être qu'on cache quelque. Non. Non, ah, ok, je voyais des blocs. What? Ok, non, ça c'est les blocs qu'on peut pas casser. C'est à l'extérieur. Ok. Bon bah. Je vais devoir défoncer un peu la map pour savoir où est-ce que c'est. Parce que je sais pas du tout. On est d'accord, Brewin Stand, donc il faut du truc de Blaze. Et le truc de Blaze, comment on a des blaze Rod ou Blaze Powder? Ça, ça me... Ok, ah. Glowstone. Non, ok. Il y a pas avec autre chose que ça. Ah putain, il y a une barre en haut, il y a une limite de temps. Il y a une limite de temps, c'est ça? Parce que là, moi, je trouve toujours pas. Genre, pas du tout. Où est-ce que ça peut être? Putain, j'ai pas envie de finir avec la limite de temps et puis pas réussir. Ok, on se pose 2 minutes. Il n'y a pas de spawner là, non. On est d'accord, là où il n'y a rien. De l'autre côté, tout là, il y a juste glowstone. Là-dedans. Il n'y a pas de spawner ni de blaze non plus. Donne. Ah merde. You run out of time. J'ai pas trouvé du coup. Bon, heureusement au moins que. Ah. Pioche en diamant. Bon, ça c'est plus simple. Mais du coup. Heureusement que ça nous arrête en pleine recherche. Parce que du coup. Ah, en plus, il y a une autre musique. Ok. Là. Il faut trouver du diamant. Du coup, là, voilà, on va trouver. Parce que du coup, vu que ça nous arrête en pleine recherche, c'est plutôt cool. Parce que après, on peut essayer de faire mieux que là. Et d'essayer de rentrer dans les temps déjà. Ok. C'est là qu'il y a un CT, je suis sûr. Ah, mais on peut pas l'enlever. Ok. Bon, du coup, tac, pioche. En bois d'abord. Hop, du bois. Voilà. Bon, ça en soi c'est question de rapidité en majorité pour celui-là. Parce que celui-là, on sait comment le faire, voilà. Il faut 8 pierres. Ça nous en fait 3, 4, 5. Parce que du coup, il faut 6, 7, 8, 9, enfin 11.
12. Enfin, 11. Voilà. Parce que du coup, avec 11, on peut faire le four plus la pioche en pierre. Ok, la pioche en pierre. Tac. Avec le four. Hop. Voilà. Donc là, on se prend un peu de bois pour le prochain bois. Voilà. Oh, il y a une vache d'ailleurs. J'espère en quoi elle va nous aider. Donc, je vais laisser là tranquille. Peut-être qu'ils ont mis, qu'ils ont fait les fourbes avec. Mais ça, j'en sais rien. Donc là, ouais, on l'a tué à l'époque. Juste parce qu'on est curieux. Hop, merde, il faut reload. Ok. Merde, putain, t'es où? Ok. Allez, bouge pas. Bouge pas, ça sera, voilà, rapide. Ok. Bon, y a rien. Donc, ok. Donc là, diamant. Il faut trouver notre petit diamant. Si on mine ici, on devrait en trouver sans vraiment beaucoup, beaucoup trop de problèmes. On a redstone. Enfin, d'abord du fer, en vrai. Sinon, on peut pas miner le diamant. Donc là, il faut du fer. Si on trouve du fer, ce serait génial. Ah, un de fer. Ok. On prend le fer. 1, 2, 3. Nickel, 3. Ok. Donc, voilà. Donc, on a nos 3 qu'on met. Voilà. On va mettre là-dedans. Avec hop, un peu plus de choses pour faire chauffer. Ensuite, faut trouver où est le diamant. Donc là, faut éclairer pour le diamant. Trouver 3 diamants. Ok, non, y a rien. Donc on se décale un peu. Je sais pas s'il y a plus de 3 diamants ou pas. Et s'ils sont vraiment en sous-sol aussi ou pas. Donc bon, c'est un petit peu de la chance. Donc si on arrive à trouver, ça serait hyper cool. Non. Tombe sur une autre, un autre truc qu'on avait fait. Ok, non plus. Putain, je sais pas où est le diamant. Vraiment. Ok, surface. Pour vérifier s'il est pas en haut le diamant. Ça se trouve, ils l'ont mis en haut. Donc, en haut, qu'est-ce qu'on a? On a rien tout là-haut. Là-haut, ici, on n'a rien non plus. Donc là, bon, on a encore la moitié du temps pour trouver. Donc, ok, y'a rien. Y'a rien. Y'a rien, ok. J'espère qu'ils ont mis pas mal de diamants, parce que sinon, on va galérer hyper longtemps. Émeraude, ok. De l'émeraude ici, c'est pas ce qu'on veut, mais du coup, peut-être bon signe. Peut-être que c'est en sous-sol, le diamant. Encore plus bas. Si on descend plus bas, genre... Ah, on est une petite grotte. Ça, c'est une grotte où on devait aller sans doute. Ok, non, c'est pas là. Il y a peut-être du diamant par là. Parce que, putain, 4 minutes 40 quand même. Faut trouver le diamant en fait. C'est ça qui est le plus long. Est-ce qu'il y a un truc en bas? Non, ok. C'est. Ah, ok, c'est de la bedrock. Ah, un truc là. Il y a un truc. Ok, voilà. Ok. C'est. On est sous l'eau. Ok, non, y'a rien. Y'a pas de diamant par là. Parce que là, du coup, il faut trouver le diamant avant de pouvoir, par exemple, prendre notre pioche. Sinon, on l'épuisera un peu pour rien de là. Et puis, puis ça nous avance d'aller chercher le diamant. Sachant que, bon, là, ça a déjà, cuit, je pense, le fer. Mais du coup, si on trouve le diamant, ce serait un plus. Rapide. Putain, mais vraiment, il est où? Genre. Je sais pas si je suis passé devant, des trucs du genre. Ah merde, du coup là c'est monté par. Oh putain, monté par là, ok. Ok, tac, tac, voilà. Nickel. Donc, on remonte. Voilà, on a notre enfer. Et là, on se fait notre pioche en fer. Voilà, donc espérons qu'on va trouver avec cette pioche. Déjà avoir un peu plus de chance. Pourquoi y'a un œuf? C'est pas meilleur, on s'en fout. Donc, putain, il reste pas longtemps quand même. Et le pire, c'est que j'ai rien trouvé pour le moment. Aucun diamant. Aucun diamant en vue pour le moment. Donc, bon, ça c'est inquiétant.
Il y a rien derrière cette émeraude, parce que du coup elle nous bloquait un petit peu. Il faut miner tous les blocs, franchement. Combien? 235 utilisations? Ok, t'en fais pas. Je vais bien les utiliser, mes 235 utilisations. Parce que là, je vais te trouver ton diamant. Fissa, on peut pas rester sans le trouver. Donc, on va le trouver. De toute façon, il n'y a pas d'autre solution. Ok. Bon, je mine un peu à l'arrache et pas pas droit pour que j'optimise mes chances d'en trouver. Parce que sinon je vais avoir moins de chances d'en trouver, je pense. Là-dessous, il n'y a rien. Pourquoi ils ont mis autant de temps pour ça? Bon, du coup, ça fait un truc assez long pour la vidéo. J'espère que les autres seront plus courts. Sinon, c'est pas grave. Ah! Diamant. 1, 2, 3 diamants. Putain, ils étaient là. Allez. Non! Non, mais non, mec! Putain, j'allais le faire. Ton item, j'allais le faire. Putain, sticky piston. Ok. Death is a sticky piston. Ok, bon, là, logiquement. Ça, ensuite. Du bois. Voilà. Donc, ok. Donc, bon, flemme, c'est qui? Ça, c'est comme ça. Je sais pas comment on fait le thème par contre là. Donc, on se met une table de craft, et logiquement, ça devrait être un truc avec de la pierre. Je crois qu'il y a besoin de pierre. Si on pouvait voir. En dessous. Ouais, il doit y avoir de la pierre en dessous. Parce que du coup, il faut de la pierre pour piston. Ah, quoique. Piston. Piston. Il faut un piston de base. Et un piston, comment on le fait? Je sais pas. Attendez. Je crois qu'un piston, c'est comme avec de la pierre. Voilà. Ouais, on dirait qu'il y a de la pierre, donc il va y avoir de la pierre dans le craft. Ok, donc là, bon, on enlève le livre et on se prend bon, une pioche en bois, d'abord de base. Voilà, la pioche en bois, nickel. Ok, donc voilà, allez hop. On va. Putain, il n'y en a pas? Les gars, si. Si, il y a de la pierre. Parce que j'avais peur qu'il y ait pas de pierre. 1, 2, il faut juste 3. Je vais en prendre quelques-unes, je sais pas combien il en faut. Voilà, on reste sur 6. Ok, allez, on remonte. Voilà. Alors, on va peut-être le craft. Donc là, avec la pierre, qu'est-ce qu'il faut? Ça. Peut-être avec. Ça, non, ok, tac, avec ici, voilà, non plus, ok, comment se craft un piston vraiment? Parce que du coup là, j'ai bien crafté ça, j'ai tout sauf le piston. Soit ils ont déjà des pistons de base, soit il faut le faire soi-même. Donc, s'il faut le faire soi-même, je sais pas encore comment le faire. Comment on peut le faire soi-même? J'en ai aucune idée là. Pourquoi il y a ces toiles d'araignée? Non, 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 ça n'a rien à voir dans le craft. Ça n'a rien à voir dans le craft. Donc, pioche, non, c'est pas ça. Pioche en fer non plus. Stick. Non. Ok. Non plus. Bon, je sais pas. Ok. Je pense que quand là, ça débloque rien. Il faut un piston. Comment on fait ce piston? Bon, je vais voir rapidement de mon côté sur internet et puis dès que je l'ai trouvé, je vous raconte.
Ok, du coup je l'ai trouvé. Donc alors bon, on avait à peu près les bons éléments, juste mal placés. Voilà, ça fait ça, je crois. Attendez, il faut une pierre en plus du coup. Oui, il en faut une en plus. Putain. Ok. Donc une pierre en plus, voilà. Une. Ok, nickel. Voilà, on remonte. Donc, putain, bon. Je suis à chaque fois limite dans les temps là du coup. Voilà, et là on a notre piston. Non, merde. J'ai zappé un truc. J'ai zappé un truc. Ah, ouais, il manquait un lingot de fer et un peu de redstone. Ok. Putain. Donc, il nous faut 8. Il nous en faut 8 de la pierre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, 8. Bon, un charbon en plus. 1, 2, 1, juste un fer, ouais. Non, 4. Parce qu'il faut, il faut la redstone, il faut la pioche pour la redstone. Ok, bon, je sais même pas si on va réussir lui non plus à le faire. Mais du coup, au moins, on aura tenté un peu. Donc, ok, du coup, là, on se fabrique le four. Je sais même pas si on aura le temps du tout. Voilà. Tac, tac. Ok, allez, vite. Là, il me faut... Hop, je demande deux... enfin, des bâtons. Ensuite, trouver de la zone, c'est pas maintenant direct. C'est un peu... si, bon, on va essayer d'en trouver maintenant. Parce que sinon, on va pas en trouver après. Donc là, maintenant, où est-ce qu'il y a de la redstone? Parce que là, bon, ok. On fonce par là. Comme ça. Allez. Voilà. Ok, non. Oh, si. Redstone. Nickel, redstone. Ok, on remonte par là. Ok. Non! Les gars! Non, s'il vous plaît! Tiens, j'allais le faire encore une fois. Cookie. Ok, donc blé et puis cacao. Ok, cacao. C'est ça. Voilà. Bon, ça c'est plus rapide à faire normalement. Voilà. Blé et cacao. Ok. On va le faire en deux temps pour maintenant celui-là. Voilà. Ok. Et hop. Tac. Voilà, nickel. Putain, j'ai mis longtemps à le prendre l'item. 30 secondes. Ok, le dernier, c'est quoi? Snow. Snow, ok. Ok, bon, ça c'est plus simple. C'est plus simple que les autres. Enfin, plus rapide aussi. Que l'autre en soi c'était pas forcément hyper compliqué, c'était juste lent à faire. Donc là, belle, hop, voilà. Donc nickel, voilà, tac, ok, belle, voilà, établi, ok, hop, et voilà, putain, là on va le faire en deux. Nickel, 42 secondes. Oh, bah voilà. Ça, c'était rapide. Bon, bah voilà, là, les deux derniers étaient plus rapides que ceux d'avant. Donc, voilà, donc là, c'est la fin de la vidéo. Donc là, il y avait un tutoriel pour s'entraîner au caveau. Où, objectif, c'est craft une épée en stone. Donc là, on prend les items, ça nous mettait... voilà, ça, dès qu'on en a assez, donc là il en faut 3. Voilà, dès que maintenant faites une table de craft. Ensuite, ils nous disent, hop, de faire une pioche. Voilà, hop. Donc, comme ça. Voilà, on y est. La pioche. Voilà, hop, comme ça. Maintenant, miner de la stone. Donc là, il y en a en bas. Donc, ok.
on entend un peu. 1 et 2. Voilà, dès qu'on a 2, on fait le craft. Voilà, tac 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 tac. Et merde, je suis con. Merde, ok. Bon, ce qui est bien par contre, à ce que je viens de voir, c'est que dès qu'on craft, même si on quitte l'inventaire craft, ça nous remet les items dans notre inventaire. Alors que de base, c'est pas le cas. Bon, bah du coup, en tout cas, je sais pas à quoi sert l'item là derrière, c'est tel item. Je l'ai pas testé. Mais c'est pas grave, on verra d'autres fois, je pense, je vais peut-être y rejouer à cette map. Surtout qu'il y a, ça m'a l'air d'être assez diversifié, je crois qu'il y a 50 items qu'on peut craft au total. Donc c'est plutôt pas mal. C'est beaucoup, et puis en plus après il y a le challenge de s'améliorer en vitesse. Donc voilà, donc c'est la fin de la vidéo. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si c'est pas déjà fait, à partager la vidéo à tous vos amis. Moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo, donc normalement qui sera plus courte. Du coup c'était Largo. Tchuss.